Salut à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 3 du Journal de Sblar. Et vous voici après ce joli petit générique. Donc aujourd'hui au programme un épisode un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, puisque nous allons faire du PVE en multi. Quoi ? Zanzai ? Du PVE en multi ? Mais où es-tu la tête ? Et oui, très bien, Billy, du PVE en multi. D'ailleurs, t'étais passé où l'épisode précédent, toi ? Ouais, c'est ça, mais... Donc, aujourd'hui, on va faire un petit peu de multi, ça va changer d'habitude. On va aller tuer l'Ender Dragon, et d'ailleurs, vous allez en avoir deux pour le prix d'un au cours de cet épisode. Donc pour ça, je vais faire un peu de montage, il va y avoir effectivement un peu de coupage, enfin de coupage, oui, de découpage d'épisode, pour pas que ce soit redondant, hein, vu qu'il y a deux dragons. Et donc il n'y aura pas de construction à cet épisode, mais rassurez-vous, ça reviendra très très vite, puisque dès le prochain épisode, donc épisode 4 normalement, on fera un joli bateau. Voilà, je vous en ai déjà parlé l'épisode précédent, je vous le promets, ce sera pour l'épisode 4. Donc voilà, d'ici là, bah, je vous dis à la prochaine, et je vous laisse avec le petit passage en multi. Allez, salut à tous. Et on se retrouve avec les Gugus. On va aller tuer le dragon. Dites bonjour à la caméra. On part autour du portail, il va tomber. Wesh. Ok, nickel. Vous êtes prêts ? Ouais. Bon bah... voilà. Donc là, t'as vu tout le stuff qu'il y a partout, c'est chaud. Hein. Oh là là. Ah mais non, ça va remplir mon inventaire tout ça. Ah ouais. C'est, tout, c'est toutes les morts des gens qui sont allés avant. Bon, Nigo ? Ouais, ouais, je suis en train de faire un chemin. C'est bon, je suis à la surface. Là, faut tuer les plateformes, là, les trucs en rouge. J'avoue, c'est chaud. Genre... Ah, j'en ai eu un. Beaucoup trop loin. Il y en a deux, il faut monter, les gars. Il y en a deux, faut les monter. Ah, j'en ai eu un. Il y a un Enderman, il est mad après moi, là. Bam, c'est bon. Ah, GG. Tu mets un seau d'eau, si t'as un seau d'eau sur toi, tu le mets au sol, il pourra pas te choper. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je monte. Avec mon pack de texture, je vois pas la vie du dragon, c'est la merde. Ok. J'essaie de te couvrir, Pierre. Bon, moi je suis déjà en train de monter. Hein. Ah, il a mis du souffle par terre. Je pensais qu'il... Il a déjà mis du souffle par terre. Bah ouais. On aurait dû faire avec des potions. Ouais, c'est sûr. J'ai oublié que ça explosait quand tu l'as pris. Mais j'étais persuadé que... Il fallait qu'il s'arrête pour mettre du souffle. Ouais, moi aussi. Qui c'est qui m'a... Ah, c'est du souffle. Ah non, il le crache en fait. C'est dégueulasse. Il en reste encore un healer là-bas. Je suis en train de monter là. Il y en a un qui est tout en hauteur. Il va pas se faire pousser, surtout. Ça va, parce que comme on est plein, en fait, il a... Il focus pas trop. Il est pété le... Casse les grilles et tu te barres, en fait. Parce que sinon, tu vas prendre une explosion à la gueule, ça va faire ça. Ah ouais, non, ou alors tu te mets un peu en contrebas. C'est bon, vous pouvez le toucher, les gars. Ça y est. Ah ouais. Non, il en reste là. Oui, il en reste un là-haut. Ouais. Un énorme, je sais pas comment on va réussir. Vas-y, j'y vais. Attends, vas-y, je canarde. Tu peux pas le back. Attends, je vais essayer. Ouais, comme Alex. Je montais pour rien déjà, alors. Ah ouh. Oh. Je me suis fait rect, toi aussi. Non, moi ça va, mais je vous ai vu vous faire rect. Ouais, j'ai pas pris de dégâts en fait, il a encore... c'est vers la fin, non? Oh putain. Waouh. Wow. Ah, ça pique. Ah, j'ai plus de... Attends, j'ai été TP ou... What? 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 What the fuck? Je te protège. Vous êtes sûr? Je te protège. Attendez les gars. Oh putain, tu m'as sauvé. Je mets de l'eau. J'ai failli te donner un coup en fait. Hein. Et Sharp 5, t'aurais pas survécu. Mais c'est quoi ce... Il faisait pas ça avant? Non. Les anomales?
le plongé le quadri plongé de ouf là. Wow. Les Enderman dans tête de merde. Je vais crever. En fait, une fois que tu lances Nikki, par contre, c'est... Oh non, putain. Oh, cette chute. Tant pis, tu vas le finir. Ça te permet aussi d'éviter les Endermen, parce que franchement, là, ils sont vénères. Décidaille. La Stitch, t'es tellement KS, mec. XP. Ouais, Ah, je me fais aggro par l'Enderman partout. Ah oui. Bam. Et 55 niveaux. Oh putain, quel enfoiré. Bah moi je suis en train de décéder. 55 mec. Je suis à 58 niveaux. T'as vu le rapia un peu? C'est chaud, hein. Moi je suis à 36. Ouais bah moi j'ai pris aucun XP du coup. Merde Pierre. Parce que moi j'ai couru pour éviter de mourir. Ah, t'es à poil. Pourquoi tu m'envoies une flèche? Là les Enderman. Ah, le reste de l'Ender, enfin genre y'a pas de bateau ni rien quoi. Si en fait y'a un portail qui est apparu là-bas. Et c'est dans le portail. Ouais, et ah putain hein. Et il faut aller lancer une enderpearl dedans. Ouais, TP plus loin. Ok, bah moi je mets une tête de citrouille, hein, j'en ai marre. Ok. Hop, et je vous récupère juste après donc le petit passage qu'on a fait en multi pour aller tuer l'Ender Dragon. Donc comme vous avez pu le voir, donc on a réussi à le tuer avec quelques difficultés quand même. Hein. Faut savoir qu'en 1.9, maintenant c'est un poil plus dur à faire. Ensuite, on a été se promener dans toute la nouvelle partie de l'End en prenant les fameux portails qui sont générés une fois que le dragon a été tué. Et donc nous avons été nous promener dans cette End. On a tout de suite trouvé un bateau dans lequel il y avait des élytras, donc c'est un ami qui a littéralement sauté dessus et qui les a pris pour lui, ce qui fait qu'on n'en a pas eu, enfin moi j'en ai pas eu, et d'ailleurs tout le monde, hein, il y en a qu'un qui a réussi à en avoir, et ce qui s'est passé du coup c'est que par la suite on a poursuivi l'exploration pour essayer de trouver d'autres forteresses, ça a été le cas, on a trouvé une forteresse à moitié vide et on a continué, et à un moment j'ai eu un bug avec le logiciel qui me permet de record, un problème de mémoire pleine qui a fait crasher donc le logiciel et je suis mort pendant ce temps-là dans le jeu hein, vu que j'avais plus accès. Donc c'est des parties que j'ai pas pu vous montrer. Alors ce qu'on va faire du coup pour la suite de cet épisode, c'est que j'ai crafté ceci, haine de cristal, qui permet de faire respawner le dragon. Donc je vais aller me le refaire littéralement. le but en fait tout simplement c'est un prétexte déjà pour tester cette nouvelle fonctionnalité qui permet de faire revivre le boss final et ensuite c'est d'ouvrir un nouveau portail à chaque fois qu'on tue le dragon un nouveau portail va s'ouvrir vers une partie différente de l'End et donc on pourra retrouver une forteresse avec des bateaux et potentiellement des élytres. Donc du coup on va faire ça ensemble, j'ai pas d'amis qui sont co sinon je leur aurais bien proposé. On va voir, hein. On va y aller comme ça à la rachasse. J'ai pris un lit hop, dans lequel je vais dormir, ainsi qu'un ender chest. Hop, et là. Voilà, donc comme ça j'ai 7 mon spawn ici. En espérant pas mourir parce que j'ai refait tout mon stuff. Comme vous pouvez voir, j'ai des bons enchants. Mending, c'est le stuff numéro 2. Stuff numéro 1 ayant été détruit hors record. Et donc on est reparti. Ah, j'ai un ami qui a commencé à faire une ferme à... D'accord. Ah ouais, il a commencé à faire ça bien. Le seul truc qui me fait peur par contre, c'est que ouais, il a commencé à faire des trucs propres, mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir faire vachement gaffe quand on va se faire l'Ender Dragon pour pas aller bousiller tout ce qu'il a fait. D'accord. Bon, il n'y a pas de raison. On va faire ça bien sur le côté. Et voilà. Donc je vais installer tout mon bordel. Et je vous retrouve quand ça commence à devenir intéressant. Et nous revoilà. Donc j'ai un petit peu arrangé la zone. J'ai mis la flotte partout. Comme vous avez sûrement pu le voir dans le combat qu'on a fait en multi. Il y a pas mal de fois où on vole. En même temps, ça permettra de se protéger les Enderman. Si le dragon, si on en regarde lorsqu'on se bat contre le dragon, ça les éloigne aussi également. J'ai un enchantement qui me permet donc de courir rapidement dans l'eau,
ce qui me protège plutôt relativement bien du coup, du fait que les Enderman vont essayer de me poursuivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je vais récupérer aussi l'œuf de dragon avant de comment dire rebattre l'Ender Dragon, parce qu'on sait jamais, donc on va faire ça maintenant. Et voilà. Donc on va mettre ça à l'abri. Les gars du serv, si vous me regardez, vous savez que c'est moi qui l'ai. Donc si vous en avez besoin pour quelque chose, n'hésitez pas à me le demander. Il est à l'abri dans son coffre. J'ai également mis un coffre de voilà avec des éléments rab et qui me serviront après pour aller explorer l'end. Pour l'instant, je les laisse dans ce coffre en espérant qu'ils ne se fassent pas détruire. Donc, si je dis pas de bêtises, on va récupérer ça. Hop. Si je ne dis pas de bêtises, pour faire respawn l'Under Dragon, il faut mettre ces 4 petits Zen Crystal autour du portail. Donc, on va faire ça tout de suite. Voilà. Ah, il ne faut pas de flotte non plus. Écoutez, on va pas se compliquer la vie. Hein. On va protéger la zone tout simplement. Voilà. Donc ça se pose que sur la bedrock. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est ces objets. Et donc là, normalement, voilà. Donc là, le dragon va respawn. Alors moi, je vais commencer à boire mes potions. Ah bah, ça commence bien. Déjà un Enderman au cul. Voilà, pour faire donc une ouverture. Hop. Voilà, un de moins. Un de moins. Je suis un peu un galérien. Je suis pas spécialement bon en PvE ou en PvP, comme vous avez pu le remarquer. Hein, moi, je préfère build. Normalement, je pose des cubes. Je ne me bats pas avec. Oh, je ne t'ai pas regardé. Je ne t'ai pas regardé. Galérien. Galérien. Ah voilà. Je sais pas où est la bête, je ne l'entends plus. Waouh. Ah oui tiens, j'avais oublié, quitte à être là, autant récupérer un peu de cette merde. Mais tu vas me laisser tranquille, oui. Oh non mais dis. Là lequel te heal? Celui-ci, d'accord. On va faire ça tranquillement, méthodiquement. Où es-tu, sac à merde? Saloperie. Crève. C'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Et boum! Finish him! Cette animation est superbe, je suis dégoûté de pas l'avoir filmé hier. J'étais trop occupé à faire les idiots pendant ce temps-là. Donc je pense qu'il donne moins d'XP lorsqu'on le refait, hein, si je dis pas de bêtises, il me semble. Est-ce qu'il me reste des fioles? Tiens, on va prendre ça du coup. Est-ce qu'il me reste des fioles vides? Non, hein. Puis le souffle est en train de partir. Ok, bon, trop tard. Trop tard pour les fioles. Donc voilà, ça c'était le dragon. Je sais pas si... Je pense que je couperai des bouts. Je sais pas trop comment je ferai parce que j'ai été un peu lent à le tuer. Donc j'essaierai de faire en sorte que ce soit... vu que vous venez déjà d'en voir un en multi assez... assez agréable à regarder pour vous et pas très ennuyant, pas que ce soit redondant. Je vais virer toute la flotte et tout le bordel que j'ai mis tout partout. Et ce qu'on fait, c'est qu'après on se retrouve pour l'exploration
du nouveau portail donc qui est apparu juste là-bas. A tout de suite. Et nous revoici. Oh là 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 là. Forcément, au moment où je reprends le record. Où est-ce que t'es, mon grand? Bon, bah ça fera quelques enderpearls en plus. Voilà. Ouais, donc pour farmer les Endermen, comme vous avez pu le voir avant, on se met sous quelque chose qui fait deux blocs de haut, ou alors on se met dans l'eau, et on peut les avoir facilement. Donc, je me suis fait pas mal d'Enderpearls en tuant les bébêtes qui se trouvent à ma droite. J'ai fait un petit escalier, et on va pouvoir traverser. Donc, ce que je ne vous ai pas montré en vidéo, dans ce qu'on a fait... comment dire, ce que je n'ai pas pu vous montrer en vidéo... dans ce qu'on a fait en multi, hein, vu que mon record avait crash. C'est joli quand même, hein. J'aime beaucoup la... Ça fait vraiment un effet bizarre. Donc on lance une enderpearl là-dedans, et en fait on est téléporté dans le même monde, mais beaucoup plus loin. C'est parti. Et nous y voilà. Donc, voilà, la plateforme est juste ici. Et nous arrivons dans les mondes étranges et ésotériques de l'aide. Alors, j'ai fait gros malin que je suis, je me suis dit, je vais faire une map, comme ça, on va pas se perdre. En fait, ce qu'il faut voir, donc j'ai pris de quoi en générer de nouvelles, c'est que dans l'end, les maps ne représentent rien du tout. Alors, à la limite, on va quand même pouvoir s'en servir. Hop, voilà. Vous voyez ce que ça fait, hein, on voit vraiment rien, c'est une bouillie de pixels orange et gris. Cependant, ça va sûrement nous permettre de nous repérer. C'est-à-dire qu'on va voir par où on est passé et ça va sûrement éviter qu'on tourne en rond, hein, tout simplement. Donc, on va commencer par récupérer ces grosses machins. Donc, moi, je vais échantillonner. À savoir que si vous les coupez à la base comme ça, tout se casse la gueule. Vous pouvez récupérer ce que l'on appelle des chorus fruits, qui serviront par la suite à faire des blocs qui forment les forteresses. Les forteresses donc, que nous verrons plus tard. Mais si vous voulez pouvoir en replanter à l'infini, il faut trouver cette espèce de gros fruit carré là. Donc, c'est une chorus. Enfin, gros fruit. C'est pas un fruit du coup, c'est une fleur, une chorus flower que vous pourrez replanter comme ceci et qui repoussera. Donc moi je vais m'en faire quelques-uns, je vais échantillonner mon truc et puis je vous retrouve tout de suite. Hop et là. Nous voici, donc j'ai récupéré quelques fruits. J'ai commencé à me promener, donc j'ai fait petit poussé, on voit pas forcément bien mais je laisse des blocs comme ça de stone régulièrement sur mon passage pour pouvoir me retrouver. J'ai également la map donc, qui va m'indiquer, je suis déjà parti par là-bas, j'ai rien trouvé de spécial, qui m'indique donc à peu près où je suis, donc ça me permettait de me retrouver. Et un truc que j'ai trouvé marrant à faire, c'est pas ce qu'il y a spécialement plus pratique, mais avec un piston comme ça, hop, ah, je suis arrivé au maximum, dommage, j'ai pas pu vous faire une grosse démonstration, mais vous pouvez pousser comme ça d'un bloc de stone et ça vous fait un chemin sans être obligé d'être en sneak comme ça dessus au-dessus du vide à faire ce genre de choses, hein. Donc c'est quand même relativement pratique si je puis dire. Donc c'est une petite astuce à savoir. Bon, vous allez pas forcément bien loin avec ça, parce que là, regardez, si je vais au-dessus du vide comme ça par exemple, moi je suis pas toujours spécialement rassuré, surtout que je suis tombé donc hier soir quand on était en multi suite à un souci du logiciel de record. Alors que là, on se met là, hop. Voilà, on pose un bloc. Et on fait son petit chemin tranquillou, comme ceci. Voilà, voilà. Donc je vous reprends dès que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Et moi, je continue ma recherche dans les tréfonds
de l'End. À tout à l'heure. C'est un fameux 3 mafia comme un oiseau. Bon, donc j'ai trouvé un bateau, voilà, avec une jolie forteresse. Il est au-dessus du vide, donc faudra pas trop faire l'idiot, mais c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, je suis tellement impatient que même pas je fais un chemin propre pour y aller. Je me permets d'y aller à la chasse. Voilà. Donc, pour monter sur le bateau, je pense que passer par l'intérieur serait plus judicieux. Une fois qu'on est là-bas au bout, je pense qu'on peut choper à l'Ender Pearl avec le mât. Je l'ai fait hier, c'est passé. Alors, forcément, il va y avoir les nouveaux mobs. Ah, lévitation. Donc ces espèces de coquillages accrochés à un rocher là, c'est les nouveaux mobs des forteresses. Donc je dis au cas où les gens ne connaissent pas. Et donc quand ce qui nous frappe, donc forcément ils nous font perdre la vie, mais ils nous donnent l'effet lévitation. Cet effet lévitation est assez emmerdant vu que on s'envole tout simplement. Et ça peut vite devenir dangereux parce qu'il ne dure qu'un certain temps, ce qui fait qu'on retombe au bout d'un moment. Et donc ça peut être très dangereux dans une zone qui est entourée de vide, forcément. J'en ai entendu un là, non? Oui, j'en ai entendu un. Ah, il est juste au-dessus. Je ne sais pas si on peut détruire leur projectile. Ah, il y en a un là aussi. Voilà. Là, j'ai été touché par exemple, donc je m'envole. Non, non, non. Je ne pense pas, mon grand. Là, il y en a partout, c'est la folie. Heureusement, ils sont pas très solides. Je n'ai pas envie de monter plus haut, voilà. Non. On ne peut pas casser leur projectile, hein, je ne pense pas. Ah si. On peut. Donc ça peut être bon à savoir, ça. Sésame, ouvre-toi. Ah, ça c'est bien aussi, ça. Alors ça peut se crafter, de ce que j'ai compris. Donc c'est des petits bâtons qui font de la lumière. Alors pour des éléments de déco, en plus, moi, ils sont blancs. Alors à part la petite base violette, là, comme vous pouvez voir, sur les constructions L200, ça va être juste perfect. J'en entends tirer de partout, je ne sais pas où ils sont. Tant mieux qu'il ne se montre pas, moi ça me va. Ah bah, il est là. Laisse-moi redescendre. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant, on va mettre ça dans l'Ender Chest. Voilà. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je vous reprends. Ah, parce qu'en plus, on mine moins bien quand c'est comme ça. Je me mets à l'abri, je coupe le record et je vous reprends dès que j'arrive au niveau du bateau. Voilà, à tout de suite. Si je foire, je pense que... je pense que je vais mettre fin à l'épisode. On va viser en haut du mât du bateau et on va prier très fort pour que ça passe. La revanche de l'homme qui ne savait pas tirer à l'Ender Pearl. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter nos conneries et on va se rapprocher un peu plus près. Donc je suis littéralement à poil. Alors là je suis content parce que le stuff que j'avais sur moi,
bien qu'il ait été un peu casse-couille à faire, c'était un stuff de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de survie, mais non, de un stuff de secours, voilà, c'est ça. Donc c'est pas mon stuff mending principal avec tous les enchantements relativement durs et longs à avoir, ce qui est plutôt pas mal. On va le tenter d'ici. Si je me foire une deuxième fois, pourrait m'appeler Arthur. C'est bon, je l'ai eu. Alors, on va tout de suite aller se planquer ici. Voilà. Oh, ça c'est gentil ça. Voilà. Et oh, bonsoir. Bonsoir toi. Elles sont là. Elles sont là. Elles sont ici. Amen. Je vais regarder ce qu'il y a d'abord. Qu'est-ce que c'est? Oh! J'en ai pas, ça, c'est bien. On va essayer de pas mourir bêtement, hein, ce serait stupide. Frostwalker. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est plutôt pas mal comme ça. Voilà, je me stuff sur place. On va essayer de pas faire l'abruti avec les Elytra. D'ailleurs, on va les équiper. Voilà. Donc là, ce que vous avez vu, c'est j'ai appuyé. En fait, pour utiliser les Elytra, quand on saute comme ça, hop, on appuie sur Entrée et on se met à planer. Alors après, je vais éviter de les abîmer tant que j'ai pas mis de mending et de comment dire de unbreaking dessus pour pas qu'elles s'abîment trop vite. Donc les Elytra, ce que vous voyez que j'ai sur le dos, en fait, c'est un peu l'objet ultime, celui qui va nous permettre de planer, donc de voler. Et c'est que relativement intéressant comme objet, mais c'est extrêmement rare puisqu'il faut trouver un bateau comme celui dans lequel je suis. Et comme vous avez pu le voir, c'est pas forcément évident d'y aller. Enfin, de lieu. Hop. Commentaire pas top, hein. Je suis concentré en même temps. Ah, no. Je suis pas fan, hein. Franchement, voilà. On est mieux ici, hein. Ah, j'ai deux trucs de bouffe. Je sais pas où est l'autre. Là, je pense qu'on peut underpearl. D'ici, il n'y a pas trop de risques. Voilà, hop. Voilà, nickel. Donc, je vais pas jouer à l'abruti, surtout que j'ai plus d'Ender Chest sur moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison. Et puis, on se retrouve là-bas. Regardez, avec les Elytra, quand on saute, on a tendance à faire des mouvements spéciaux. Donc, voilà, je vais cutter le record et on se retrouve tout à l'heure. Et hop. Donc nous revoici sur l'île principale du Nether. Que ça se finisse. Faut savoir que j'ai jamais eu le générique encore, vu que je suis mort à chaque fois. Donc c'est parti pour 50 minutes de générique. Oh. Non, mais en fait, c'est une blague, hein. Je vais pas vous laisser avec. Rassurez-vous. Hop, nous voici de retour à la base. J'ai été choper un bouquin Unbreaking. J'ai été faire aussi également un petit peu de trade. Et bonjour, monsieur. Tu me regardes quand je te parle? Ouais, c'est ça, quand je te jure. Bref, bonjour, monsieur. Ce serait pour un enchantement. Alors, est-ce que... Ouais, non, c'est bon. Je me disais bien que j'avais un bouquin qui devait traîner quelque part. Donc, ça sera...
L'addition est quand même salée hein, au niveau émeraude. Donc là, ce que je fais, c'est que j'achète un bouquin, donc Mending, qui est l'enchantement qui permet de faire de la régénération sur les objets à ce villageois. Et je vais également mettre un bouquin Breaking sur les Elytras. Il faut savoir que les Elytras s'usent quand on vole avec. Et donc, c'est deux enchantements qui sont, entre guillemets, indispensables à mettre dessus pour pouvoir... d'une part les réparer facilement et d'autre part voler plus longtemps avec. Donc je vais aller faire de l'XP parce qu'on a une ferme à Blaze qui permet de farmer des Blaze Drones mais aussi de l'XP là-bas. Et on se retrouve juste après pour aller essayer donc les Elytras depuis le haut d'une tour. Oh, il y a moyen que ce soit sympa, il y a vraiment moyen que ce soit sympa. Surtout que j'ai des tours vraiment tout le long de mon biome. Donc ça va Michel. Va Michel.